Anna, jeune fille précoce, performante en Benjamin, avec du talent, des qualités d'explosivité, enfin voilà, quelqu'un qui a vraiment une capacité à s'engager sur un laps de temps très court, mais d'une manière très intensive et très intéressante, mais que je viens récupérer cette année, enfin qui est arrivé au club cette année finalement, donc c'est son choix de venir s'entraîner avec moi. Et en fait, je me rends compte qu'il y a certains manques. C'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a certains manques et qu'il va falloir travailler, quoi. Et donc, pour l'instant, avec Anna, pour moi, c'est une page blanche sur laquelle j'essaie de construire et d'essayer de voir ce que je peux faire avec elle. C'est-à-dire, pour l'instant, je ne sais pas trop où je peux aller avec elle. J'ai des idées, je pense qu'elle est capable de faire des choses intéressantes, mais à mon avis, il va me falloir du temps. Parce que l'entraînement, c'est dur en ce moment pour elle, parce qu'elle bosse différemment des années précédentes et surtout pour moi, elle fait des choses que j'aurais bien voulu qu'elle fasse il y a un an, quoi. Voilà. Alors, je m'appelle Anna, j'ai 15 ans. Je suis au lycée depuis cette année, je m'entraîne au CNP. Il y a son frère, c'est lui qui a commencé en fait, en réalité. Donc elle était avec moi, on l'accompagnait pendant que Nathan faisait ses cours. On était au club où on était, il y avait une petite coursive en haut et on le regardait d'en haut nager. Mon souvenir, c'est que j'avais trop chaud en attendant dans les gradins et ma mère, elle m'a demandé si je voulais aller nager, j'ai dit oui. Et j'ai adoré, donc j'ai commencé à nager. Je pense qu'elle devait savoir nager à 2 ans et demi, 3 ans. Et elle a commencé à vraiment faire de la compétition vers 6-7 ans. Enfin, de la compétition. Elle était dans des cours réguliers, 2 fois par semaine, puis 3 fois, puis 4 fois, puis tous les jours. Je me souviens que, enfin, quand j'ai commencé la compète, j'avais même une de mes meilleures amies qui s'appelle Emma. On était toujours ensemble à l'entraînement, tout le temps ensemble. Je me souviens qu'on détestait les autres. Si elle pouvait ne plus aller à l'école et faire que nager, ça ne la dérangerait pas du tout. Bon, elle dit ça comme ça en plaisantant, mais autant elle adore, elle se lève à n'importe quelle heure pour venir nager. En compète, elle est prête, elle n'est pas levée avant moi, mais presque, elle est toujours, toujours prête. Elle n'attend pas, enfin, elle n'est pas en retard. Pour aller à l'école, peut-être aussi comme plein d'enfants, mais il faut la pousser du lit, quoi. C'est moins facile. Je sais pas du tout ce que j'ai envie de faire pour études, comme études pour l'instant. Donc je sais pas. Anna, son objectif pour l'instant, c'est d'arriver au plus haut niveau possible. Elle le sait, elle sait très bien qu'elle sera jamais. Enfin, elle l'a jamais dit, mais bon, elle n'a pas le physique d'être Camille Muffat. Voilà. C'est très bien que c'est un niveau qui est extrêmement difficile à atteindre, enfin, quasiment inatteignable. Mais elle fait ce qu'il faut pour arriver au meilleur d'elle-même. Anna, en dehors de la natation, elle fait ses devoirs. Et quand elle a fini de faire ses devoirs, elle se repose. Ils n'ont pas le temps de faire autre chose. Enfin, Anna, elle a besoin d'avoir du temps pour rien faire. Ouais, je pourrais vivre sans sport, mais moi j'aime bien aller faire du sport tous les jours. On a mis en place une organisation qui lui permettra de nager 2 fois par jour et de faire des bonnes études. De pas être en échec scolaire. Je nage toutes les après-midi, donc le matin je vais en cours, je termine soit à midi soit à 13h. Ensuite je rentre chez moi, je travaille et après je vais nager. Et après je rentre et je dors. Bah, les JO, comme tous les sportifs, j'aimerais trop y aller. Et après pour ça, je pense qu'il va forcément falloir que je commence à m'entraîner le matin, que j'aille à l'INSEP. Quelque chose comme ça, en pôle en tout cas. Sinon, pour cette année, j'aimerais bien me qualifier aux Euro Juniors. On lui dit pas dans 2 ans tu vas aux Jeux Olympiques ou dans 4 ans. Voilà, on lui met pas ce genre de.
parce que ce serait complètement idiot et puis c'est pas du tout de son niveau actuel. On va dire qu'elle a plus un profil sprinteuse, mais je la vois bien nager sur 200 aussi. Voilà, donc c'est plutôt 50, enfin 50-100 crawl, 50-100 dos pour Anna, avec possibilité d'aller sur 200 crawl, 200 dos quand elle va être capable d'encaisser l'entraînement et qu'on va être capable de construire dans le temps ce qu'elle arrive à faire sur des petites distances. Voilà, donc j'ai des profils un peu... De toute façon, je pense qu'avec 6 fois par semaine et 2 séances de musculation par semaine, il est difficile d'aller au-delà, quoi. À moins de faire des entraînements vraiment spécifiques demi-fond tous les soirs, mais c'est pas leur profil. Donc je pense qu'au regard de ce que je propose ici au sein du CNP pour l'instant, 6 séances par semaine et 2 séances de muscu, on va... Donc ton corps, il se déplace vite devant. Et pas qu'à un moment donné, tu partes sur cette motricité-là et que d'un coup, tu te mettes à tourner les bras, sans finalement que ton corps, il avance. Essaye de construire ça. On a le temps, on est à 2 mois de la compète. Tu vois, on peut prendre 1 mois à s'y prendre autrement pour être capable de transformer des choses. Ok? On a le temps, hein. Hey, on a 4 semaines. On a 4 semaines là pour travailler, donc maintenant 3, pour essayer de se transformer et de terminer sur une prépa terminale correcte. On y va. C'est pas un idéal de vie, mais c'est un sport et c'est cool avec les copines. Je suis Valentin Casse, je suis préparateur physique, je travaille avec l'équipe de France de waterpolo et je viens d'arriver cette année au Club des Nageurs de Paris et où ben, j'ai rencontré Anna et il y avait voilà, plusieurs nageurs identifiés à vraiment un potentiel et avec qui on devait travailler avec eux sur des programmes un peu plus spécifiques. Pour Anna, en fait, la spécificité, ça a été une commande de l'entraîneur. Anna, elle avait fait un stage avec l'équipe de France. Et les entraîneurs lui ont dit, à l'issue de ce stage, ils ont fait un retour, comme quoi Anna, c'était très bien techniquement, mais au niveau de sa force, il y avait un manque de force qui a été identifié par eux. S'est rencontré que cette année et qu'on a commencé à travailler ensemble que depuis septembre, bah, il a fallu qu'on apprenne un petit peu à se connaître, moi que j'apprenne ses forces, ses faiblesses et Anna qu'elle essaie de s'adapter à la façon dont je travaille, donc avec les exercices phares, l'haltérophilie, ben, tout ce qui est travail de gainage, de posture que j'aime bien aussi et ouais ça a pris un petit peu de temps et aujourd'hui là on peut vraiment commencer à travailler sur les commandes que Yves l'entraîneur me fait. Alors avec un nageur en général, bah c'est assez complet. C'est beaucoup de... Il y a tout quoi, vraiment beaucoup de gainage, la capacité à accélérer un mouvement. Il y a plein de choses quoi. C'est vraiment tous les points qui permettent de faire performer un nageur et qu'il faut réadapter à la discipline.4.
Bah, à partir du moment où Yves m'a demandé d'augmenter son niveau de force, Anna, elle a une programmation spécifique, différente des autres. Et donc c'est vrai qu'elle était un petit peu à part du groupe et il fallait qu'elle gère ses exercices toute seule. Et ça, elle l'a bien fait parce que c'est pas facile pour une athlète où il y a un groupe de 15 nageurs de se retrouver d'un coup toute seule et de faire ses exercices tout seul. Il a fallu qu'elle soit vraiment autonome. 7. 8. On va faire les autres. 10. On va faire un peu. 12. Allez. En l'air, pas grave. 13. En l'air. Allez, décolle. 14. Voilà, allez, décolle. 15. On n'a pas mis de protéines ou de choses comme ça en place. Plus que ça. Non. Si ? Non, non. Ah. Voilà. Ouais. Mais comme la commande c'était de la force, on n'avait pas besoin de développer pour l'instant plus que ça sa masse musculaire, même si le travail a été fait au début de l'année. Au début de l'année, c'était vraiment un travail de développement de sa masse musculaire, d'apprentissage des exercices qu'on voulait qu'elle maîtrise, d'haltérophilie. On va faire tout le travail de posture avec élastique. Mais Anna, ça va, t'as pas trop, elle a pas trop mal. Ça va, j'aime. Ouais. Non, je sais pas, moi j'aime. J'aime tout. L'haltérophilie. Non, ouais, je sais pas. J'aime pas le gainage. T'aimes pas le gainage? Non. Ouais, je sais pas ce que je préfère. J'y réfléchirai. Mon objectif, c'est qu'on voit ses abdos. Donc, il me dit, maman, regarde. Les muscles de derrière les cuisses, elle aime bien qu'ils soient dessinés. Donc elle surveille que ça prend une jolie forme. Elle aime bien. Moi, je... Tant qu'elle n'est pas trop musclée, ça va. C'est joli, ça reste joli. Mais déjà, ses bras, ils sont un peu plus épais. Hein. Elle aime bien, elle. Hein. Elle me montre ses bras, elle est contente. C'est pas une fixette, hein, pas du tout. Avant la compète, elle fait... Voilà, elle prend des compléments alimentaires pour pas être en carence, mais elle fait... Je pense qu'on a une alimentation assez équilibrée, donc assez saine. Donc, à part qu'elle fait attention à pas manger de pain et de beurre, justement, j'achète pas de Nutella, des trucs comme ça, elle le sait, mais ça, elle le fait tout le temps, parce que sinon, comme tout le monde, hein, elle grossit. Sinon, on n'en fait pas... Je fais pas si attention que ça. Elle aime bien, hein, je lui ai déjà dit, hein, elle aime bien Anna être toute seule. Enfin, c'est un petit peu... Anna, c'est son truc, c'est... Elle aime bien qu'on s'occupe d'elle. Elle aime bien être un petit peu le centre... Savoir qu'on s'occupe d'elle et que... beaucoup d'elle. D'ailleurs, à moi, elle me demande beaucoup aussi. Mais... ouais, ça lui prend un petit peu plus de temps. Elle part un peu plus tôt de la maison, elle prend son goûter, elle sait qu'il faut se reposer, donc ça limite encore un petit peu le temps de travail. Quand elle rentre le soir et qu'elle a réussi à soulever, j'ai aucune notion des poids qu'elle soulève, mais elle est contente. Elle m'a dit l'autre fois, ils ont fait une séance avec Valentin, et c'est elle qui a fait le plus grand score. Je sais plus, c'était un truc, je sais plus ce que c'était comme nom. C'était des petits sauts, des étirements, il fallait sauter, elle en a fait plein. Enfin, elle a réussi à tenir une super cadence, elle était très contente, elle m'a montré le truc. Et... Oui, parce qu'Anna, après, elle rentre à la maison, puis elle nous dit, je suis contente, j'ai soulevé, je sais plus combien de kilos. Je crois qu'elle a soulevé 100 kilos, non? Alex, il a regardé comme ça, je me suis dit, oulala. 100 kilos, c'est quand même beaucoup, hein. C'est de le mettre dès les plus jeunes catégories, à partir de minime, maintenant on est sur de l'apprentissage des muscles, alors qu'avant on attendait d'être en cadet, voire que senior pour commencer à faire les muscles. Voilà. C'est une approche différente. Mais les résultats, avec le travail physique, sont meilleurs, hein. On le voit dans l'eau, hein. Ils sont plus forts, ils répondent mieux aux tâches, ils sont capables de mieux s'engager sur les masses d'eau, enfin, c'est quelque chose vraiment d'intéressant. C'est-à-dire que, avec Anna, depuis les championnats de France 2014 élite, on a bossé sur la motricité. C'est vrai que si j'avais pas mis un travail à sec à côté,
bah, ça aurait été compliqué pour elle de se transformer et d'essayer de répondre à ses tâches. Contrairement à quand elle est arrivée en 2013, octobre 2013, elle s'est athlétisée, elle est un peu plus sèche, ses muscles se dessinent, mais après, c'est vrai, comme on n'est pas encore sur un vrai développement avec des objectifs bien précis et qu'on reste encore dans le général, elle se transforme tout doucement en fait. Voilà, elle se transforme. L'année prochaine, je pense qu'on sera un peu plus à un niveau supérieur sur le développement de la muscu. Pour l'instant, ça reste assez généralisé parce qu'on est au début du travail à sec avec Anna et je pense qu'il vaut mieux travailler plutôt d'une manière générale et harmonieuse que de tout de suite déjà se concentrer sur des muscles spécifiques. Alors peut-être qu'on en viendra là plus tard, mais aujourd'hui, déjà l'année dernière, elle a appris à faire de la muscu. Cette année, elle essaye de faire de la muscu et peut-être qu'on va pouvoir bientôt vraiment être dans un vrai développement musculaire et avancer vers des choses un peu plus spécifiques. Mais pour l'instant, ça reste assez général parce qu'on est sur le début du travail en musculation et je vois pas trop l'intérêt d'être tout de suite spécifique, quoi, pour pas créer de déséquilibre et des blessures, justement. Chez les filles, à partir du moment où elles sont réglées, on peut faire de la musculation. Il faut faire attention, il faut que ça soit progressif, c'est comme tout, mais les filles, elles peuvent faire de la muscu assez rapidement. En fait. Contrairement aux garçons, il faut attendre. Le développement de la force chez les filles, c'est plus tôt que chez les garçons. C'est à partir de 14, 15 ans, ça dépend les profils. Mais c'est pareil, on ne fait pas du jour au lendemain un développement de la force. Il faut y aller progressivement. Quoi. Je pense que c'est comme tout, il faut être progressif. Donc là, aujourd'hui, on est dans une démarche progressive et c'est ce que j'applique avec Anna. Pour moi, ce qui est important aussi dans la muscu, hein, c'est l'approche prophylaxique, c'est-à-dire éviter les blessures. Enfin, ça, c'est super important. Je pense que un athlète qui est plus athlétique, bah, il se blesse moins. Quoi. Parce que comme quand même il y a des contraintes dans l'eau importantes, bah, le fait d'être plus athlétique, plus musclé, bah, on se blesse moins. Je me rends compte que ce que le préparateur physique leur propose, j'aurais jamais été capable de leur proposer, parce que je pensais pas qu'ils étaient capables de le faire. Et finalement, en fait, ils le sont. Donc. Par rapport aux autres nageuses de mon âge en France, je fais moins de séances de muscu, je nage moins et je soulève des charges moins lourdes, donc pour l'instant j'ai moins de force qu'elle. Oui, mon père il veut pas que je devienne un monstre, mais ça va, j'ai de la marge. Bah, je pense que pour progresser il faut prendre de la force, donc j'ai pas le choix. Je trouve que cette année c'est beaucoup plus dur que l'année dernière. Mais en même temps, l'année dernière c'était ma première année donc. Plus de travail en natation ça me pose pas de problème. C'est agréable, difficile et il est exigeant. Mais il est gentil. Toute seule, bah, on est plus concentré, ça va plus vite. Mais avec le groupe, on rigole. Donc, maman, elle pense que ce que je fais, c'est bien. Papa aussi, mais on va dire que papa est plus études et maman plus ce que je veux, quoi. On est encore loin de ce que je voudrais qu'elle fasse, donc il y a encore beaucoup de travail. Quoi. Allez, oh ! J'ai arrêté de nager ou de faire du triathlon vers 22-23 ans et que je faisais mes études, finalement j'ai passé des examens pour devenir entraîneur, enfin
J'étais dans un cursus universitaire où j'avais pris une licence d'entraînement. Et en fait, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire qu'au début, déjà moi, en tant qu'athlète, je regardais comment les séances étaient faites, pourquoi je faisais ça et pourquoi je faisais pas autre chose, quelles étaient les répercussions sur moi et les progressions. Et donc finalement, quand j'ai arrêté de devenir entraîneur, c'était presque naturel. Le métier, il est arrivé comme ça, ça a glissé tout doucement vers ça, du passage de l'athlète à passer derrière les chronos et à devenir entraîneur. Ceux qui s'entraînent sérieusement, qui y arrivent, peuvent accéder à des équipes de France jeunes. Aujourd'hui, c'est ça le groupe élite du CNP, c'est des nageurs qui participent au Championnat de France, de temps en temps qui peuvent obtenir des médailles au Championnat de France, et de temps en temps qui peuvent, ou rarement je dirais, pour l'instant c'est rarement, peuvent accéder à des équipes nationales. Et aujourd'hui, j'ai jamais vraiment de certitude, je fais des choix, et j'essaye d'aller au bout de ces choix. À partir du moment où on a des athlètes qui sont motivés, qui sont dans un projet d'entraînement, la question de la motivation, elle ne se pose pas. Et à la rigueur, le jour où je suis plus motivé, j'entraîne plus, donc il n'y a plus la question de se lever à 6 heures, en fait. Je m'appelle Fanny Babou, j'ai 26 ans. Je suis ancienne nageuse de haut niveau. J'ai nagé pendant 10 ans à haut niveau. Je suis conseillère d'animation sportive dans une direction départementale à Chalon en Champagne. Et en même temps, je travaille avec le CNP sur le groupe des minimes 14-15 ans que j'entraîne du coup 4 fois par semaine. J'ai participé en 2012 au JO de Londres avec l'équipe de France de natation. J'étais qualifiée avec le 4x100 4 nages, le relais, et on nous a permis une course en individuel, donc j'ai nagé également le 100 mètres brasse en individuel. C'était un aboutissement parce que j'étais consciente de mes capacités physiques et techniques et je savais que j'irais jamais chercher une médaille aux Jeux Olympiques. Donc la participation au JO, c'était déjà, pour moi, c'était l'aboutissement. Ça s'est construit en avançant parce que assez vite, j'ai fait les premières équipes de France jeunes. Sans avoir jamais rêvé des JO avant, et ça s'est vraiment construit en avançant. Je découvrais et j'avais envie d'aller plus haut. Je me rappelle d'une partenaire d'entraînement qui me disait qu'à 6 ans, elle savait qu'elle voulait faire les Jeux. Parce que c'est pas plus facile pour ramener les bras. Les 3 premiers, c'est mieux. À la fin, de nouveau, ça décale petit à petit et tu ramènes après ton bras. On y va les amis, on se retrouve trop tard. Le matin, c'est propice parce que intellectuellement, on est frais, les nageurs sont frais, ils n'ont pas eu leur journée de cours toute la journée où ils ont eu d'autres charges externes. Le matin, ils arrivent, ils ont dormi et je trouve que c'est beaucoup plus simple de transformer les choses le matin que le soir. Je pense que c'est important qu'ils grandissent, qu'ils s'épanouissent, qu'ils soient heureux. Donc si ça commence à être pour eux une obligation, un fardeau d'être là face à moi tous les soirs, je me dis qu'à un moment donné, il faut mieux qu'ils fassent autre chose. J'essaie toujours d'inclure les parents dans le projet parce que de toute façon, je pense qu'il y a l'athlète au centre du projet, les parents, l'entraîneur, l'apport médical, la scolarité et finalement tout ce qui gravite autour de l'athlète doit être là pour lui permettre de réussir ce projet. Donc c'est vrai que c'est important d'intégrer les parents. Je nage d'abord pour moi, mais c'est bien que j'aime bien qu'ils soient fiers de ce que j'ai fait. Ça fait un peu penser à la relation qu'on a avec nos parents, non? Forcément un petit peu. Excuse-moi de répondre à ta place, mais... Quand tu fais des choses, la première chose que tu te dis, c'est plutôt... Yes, c'est génial ce que j'ai fait, t'es fier de toi-même. Ou t'es excité par le fait que tes parents ou ton entraîneur vont être fiers de toi? C'est les deux en même temps. Les deux en même temps. Non, là où la différence, c'est quand t'es pas sûr que ce que t'as fait, c'est très bien, et que Yves, lui, peut dire, c'est là que ça te rassure et que c'est important pour toi. Parce que t'es jamais entièrement 100% satisfaite une fois que t'as eu l'approbation de l'entraîneur ou des parents. Mais Anna, elle sait très bien quand est-ce qu'elle a fait bien. Ouais. C'est juste que des fois, quand elle n'est pas sûre, par exemple, une compétition, si elle ne fait pas un temps fabuleux, mais qu'elle fait un temps correct et qu'Yves lui dit c'est très bien par rapport au travail qu'on fait en ce moment, là, elle est contente. Quand on fait de la technique, il me corrige et on voit ensemble si le mouvement me correspond ou pas.
Et quand on nage en série et que c'est dur et que si ma nage se dégrade, il me le dit et je la remets en place directement. Il te dit quoi pour te dire que ta nage se dégrade? Ça dépend de ce qui se dégrade. Si c'est ma main qui rentre mal, il me le dit. Et en général, je sais ce qui va pas. Donc. Tu dis jamais juste Anna, ta nage se dégrade? Non. Bah, non. Le retour de l'athlète est super important, moi, c'est ce qui me permet d'avancer. Alors il y a le retour formalisé de l'athlète, moi il y a le retour physiologique avec la HRV, il y a le retour chronométrique en compétition. Enfin voilà, donc il y a plein de retours qui font qu'au quotidien, je me réadapte. En tout cas, moi c'est ce que j'ai observé cette année dans le travail avec Anna. Quoi. Le matin, quand on se retrouvait tous les deux et qu'il fallait faire... fallait s'entraîner, fallait transformer des choses, fallait trouver des solutions, en tout cas fallait qu'elle trouve des solutions et bah, forcément moi aussi j'en trouve parce que je regarde et puis au bout ça peut prendre des fois quelques jours, comme des fois ça peut prendre quelques semaines, voire des fois ça me prend des mois et d'un coup je me dis ah bah voilà c'est ça. Anna me pose des problèmes, demain c'est un autre athlète qui me pose des problèmes et c'est différent, et c'est-à-dire que ce que j'applique à Anna je peux pas le calquer à l'autre athlète et c'est quand même chouette parce que finalement c'est jamais pareil, donc en fait bah, tous les jours je me retrouve avec là, j'avais 16 nageurs dans le groupe, donc j'avais 16 personnes différentes. Moi, je voulais pas qu'elles soient meilleures à l'entraînement, je voulais qu'elles soient meilleures en compétition. Donc ça impliquait forcément une manière différente de s'entraîner. Donc je l'ai contraint sur quelques points. Ça a été au début être capable de tenir les séances d'entraînement, chose qu'elle n'était pas capable de faire. Arriver à faire en sorte qu'elle soit performante aux compétitions. Donc déjà, à partir du moment où on était performante en compétition, c'est-à-dire que là, on était dans s'entraîner à progresser et on a eu donc les championnats de France et un instant T de 6 mois d'entraînement. Voilà, aujourd'hui, tu as 6 mois d'entraînement, tu fais tant de coups de bras, les meilleurs en font tant. A priori, si on veut avancer, c'est qu'il faut qu'on s'y prenne autrement. Quoi. Donc après, bah voilà, ça a été un autre cycle de se transformer, c'est-à-dire nager différemment. Parce que si tu veux nager vite dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il va falloir que tu nages dans cette direction-là. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on fait ses choix, la réussite n'est pas forcément immédiate. Dans notre société où on a tout en instantané sur SMS, Facebook et tout, c'est compliqué pour les jeunes de se dire « Mon entraîneur, il me propose un truc pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. » c'est pas simple pour eux de l'accepter. On est tout le temps confronté à les contraintes dans l'entraînement, les contraintes de la compétition et les adversaires, les temps réalisés. Et même si on réalise un meilleur temps, on n'est même pas sûr d'être premier, deuxième, troisième parce qu'il y a des filles qui vont passer devant. Et même si on a construit ce qu'il fallait, bah, faudra peut-être construire mieux pour la prochaine fois. Après les compétitions, j'ai besoin aussi de prendre un peu de recul parce que ça me permet aussi de faire le point sur ce qui a été fait avant, ce que ça a transformé. Et c'est ce que j'aime dans les compétitions finalement parce que quand on est fort à l'entraînement, quand on sait qu'on a progressé, bah derrière le plot, on est fort. Donc on n'a pas l'impression qu'on va se faire battre par les autres. La compétition, la performance renvoie immédiatement ce qu'on a réussi à transformer ou pas. Au début, l'idée, ça a été qu'elle apprenne à s'entraîner. Ensuite, qu'elle, comme dirait Fabrice Pellerin, c'est ce qu'il disait, je trouvais ça vraiment intéressant, c'est qu'elle s'entraîne à progresser. Qu'elle s'entraîne à progresser. Je pense pas qu'il faille être dans l'eau pour mieux comprendre la natation. Enfin, je pense qu'il y a plein d'entraîneurs qui n'ont pas mis un pied dans l'eau depuis des années, qui sont d'un niveau excellent, voire expert comme on n'en a jamais eu. Donc, non, je pense qu'il faut juste réfléchir à comment faire en sorte que le nageur soit efficient. Efficient, c'est-à-dire qu'il nage le plus vite possible avec le moins de coûts énergétiques. Quoi. Quand on propose quelque chose qui est facile à un athlète, ben, à un moment donné, il faut trouver quelque chose qui le mette en difficulté pour qu'il se transforme. Le plus important, c'est d'être capable d'observer. Mais d'observer le nageur dans sa globalité et pas forcément qu'un geste, qu'un mouvement, qu'un petit doigt, qu'une main. Et de voir un peu comment tout fonctionne en fait, l'ensemble en fait. Je pense que c'est important d'observer le nageur dans son ensemble et pas forcément qu'à des points précis. Parce que finalement, les points précis sont souvent la conséquence d'un autre problème. Et
un entraîneur d'un sprinter, Bruni Surin à l'époque, c'était un sprinter canadien, disait que le meilleur outil de l'entraîneur c'était la gomme. Et finalement c'est ça, c'est-à-dire que des fois on propose des choses et on se rend compte sur place que ça va pas et il faut être capable d'être malléable et d'arriver à s'adapter par rapport à ce qu'on observe. Et c'est ça que finalement il y a des entraîneurs qui arrivent avec certains athlètes parce qu'il y a une relation qui se crée et il y a une sorte de feeling qui fait que les choses se passent bien et ça va jusqu'à la médaille. Notre réussite, elle est liée quand même à la qualité et au niveau de l'athlète. Hein. C'est-à-dire que si on a un athlète de niveau olympique, forcément, ce nageur-là, il ira aux Jeux Olympiques. Alors après, peut-être qu'il fera la différence entre un entraîneur lambda et peut-être un entraîneur expert. C'est peut-être celui qui aura un nageur olympique et qui arrivera à l'amener à la médaille. Et voilà, c'est ça qui va différencier peut-être. Et puis la relation avec l'athlète, enfin, il y a plein de choses comme ça qui comptent. C'est-à-dire que rarement, les nageurs me disent que c'est dur. Ou en tout cas que je comprends pas parce que ce que je leur donne, c'est dur. Voilà. Le fait de faire un peu de sport, qu'ils sachent que je fais du trail, que je cours des courses qui durent plus de 5, 6 heures, 7 heures. Mais bon, après, je le fais pour moi. Je ne fais pas pour leur dire, vous avez vu comment je suis fort, hein, votre entraîneur. C'est pas question de ça. C'est juste, ça me pose moins de problèmes quand je leur demande des trucs durs ou quand je leur demande de s'entraîner deux fois par jour ou quoi. Parce que derrière, ils savent que je peux être aussi, moi aussi, dans des moments de solitude comme eux, face à la douleur et face à des difficultés. Donc c'est vrai que j'ai cet avantage-là. Quoi. Mais quand je nage avec eux, je m'engage quoi, maintenant. C'est fini, le temps où on est leur entraîneur. Et donc ça implique une certaine distance et en même temps un certain échange. Il y a de l'affectif, forcément, mais cet affect, il ne doit pas déborder. Quoi, en fait. Il ne doit pas déborder en frère, en copain ou en parents, on est leur entraîneur. On les apprécie, on les aime bien, on a plus ou moins d'affinités et c'est ça qui est important. Quoi. Donc en général, quand un athlète me dit qu'il arrête, bah, je lui dis bah, écoute, très bien, j'accepte, c'est ton choix, ça peut m'embêter, hein. Je peux trouver ça dommage, mais je respecte le choix de l'athlète et je me dis que finalement on a passé des bons moments ensemble. Moi, tant qu'Anna, elle voudra s'entraîner avec moi, qu'elle pensera que je suis une solution, en tout cas, je peux l'accompagner dans son projet, je le ferai. Si un jour je pense que je ne suis pas suffisamment armé pour l'accompagner, je lui dirai aussi. Et je lui dirai d'aller voir ailleurs. Donc aujourd'hui, on met des choses en place. Ça a l'air de fonctionner. S'il faut qu'on mette d'autres choses en place, ou en tout cas, s'il faut qu'elle parte après le bac, parce qu'à un moment donné, elle va être confrontée à qu'est-ce que je fais après le bac. C'est des choses que, oui, j'envisage. Et qui font partie de la vie de l'athlète. Et donc pour moi, la vie de l'athlète, c'est son projet. Et si son projet, c'est d'aller ailleurs, ben, c'est comme ça. Et puis le jour où il y en aura un qui voudra rester avec moi, il restera avec moi. Enfin, c'est... Bien sûr, c'est toujours embêtant de perdre une athlète avec qui on a eu avec qui on a construit des choses, avec qui on a réussi à progresser, hein, parce que les athlètes nous font progresser, je le pense, vraiment. Mais malheureusement, heureusement, je pense que ça fait partie de la vie de l'athlète et de la vie d'entraînement. C'est des choses difficiles des fois à accepter, mais enfin, je pense que enfin, ça fait partie du travail. C'est-à-dire que notre boulot, c'est ça. Hein, c'est... On est là, à un moment donné, un instant T, à un an, deux ans, trois ans, quatre ans, dans la vie de l'athlète. On les accompagne, on leur apporte des choses, on les nourrit. Ils nous nourrissent, parce que ça, c'est, enfin, je le pense vraiment. Hein, je pense que vraiment, l'athlète nous nourrit, nous permet d'être meilleur, quoi. Et puis, bah, il s'en va, parce que ça fait partie de sa vie. Et nous, notre vie, elle est faite, donc faut aussi laisser vivre et grandir l'athlète. Tu compares pas ce que tu fais à l'écran et ce que fait Anna en nageant deux fois bah dans non, deux heures. Justement, quand tu non. nages tous les jours, ça n'arrive pas parce que un entraînement, ça te fatigue. Mais pour des personnes comme toi et moi qui ne nageaient pas souvent, c'est beaucoup plus pratique. Je me mettrais moi personnellement à mi-chemin entre vous deux. Tu préfères être toute seule à l'entraînement ou avoir un gros groupe autour de toi? Oh. Tu connais pas bien Anna? J'aime bien être toute seule. Par exemple, moi je détestais être tout seul dans l'eau, j'avais l'impression que l'entraîneur voyait tout ce que je faisais. Bah oui, c'est le but. Parce que toi tu faisais n'importe quoi, Marc-Anna elle aime bien qu'on la corrige. C'est vrai. Donc, Non mais après c'est gênant d'être beaucoup trop nombreux par exemple. Enfin, en ce moment on est 10 par ligne, mais c'est beaucoup trop. C'est quoi le nombre idéal par ligne de nageurs pour toi? 3. Ça t'a le temps de papoter mais pas trop? C'est ça. Et en général, tu pars première dans la ligne, ou deuxième, ou troisième? Ça dépend dans quelle ligne je suis, mais dépend de ce qu'il y a à faire. Première. Tu t'entends bien avec le reste de ton groupe? Oui, la plupart des personnes, oui. Et vous sortez ensemble des fois, vous faites des sorties de groupe?
Et sortez devant vous pour vous amuser tous ensemble. Bon, je sais que quelques-uns de mes meilleurs potes ont nagé avec moi. La plupart d'ailleurs. Ceux que j'ai conservés après un an de ne revoir plus personne. C'est ceux qui étaient dans l'eau avec moi. Ceux qui s'entraînent tous les jours, on se voit souvent. Donc, Mais vous vous voyez pas en dehors? Non, pas trop. Et ça te manque pas? Mais c'est aussi parce que vous avez pas trop le temps. Ouais, du coup, la natation, ça t'empêche un peu d'avoir une vraie vie sociale. Tout à fait. Et ça te manque pas, ça? Je l'ai jamais vraiment connu, donc... Est-ce que ça t'attire pas? Pas plus que ça. Tu peux pas... C'est difficile de faire les deux. C'est impossible. Oui, c'est impossible. Si je suis bien, j'aime bien l'allure de course. J'aime pas trop les entraînements longs et chiants, un petit peu. Genre 10 x 600. Qui aime faire un 10 x 600? Je sais pas. Les gens qui font du long. Ce n'est pas mon cas. Dans ta tête, t'es plutôt une sprinteuse ou une nageuse de long? J'aime bien le long quand les autres sont en crawl et que moi, je nage en dos. Est-ce qu'il y a un truc que tu détestes de faire un entraînement? La brasse et le pape, mais j'en fais pas souvent. Le plus dur pour toi, c'est de nager en quatre nages? Non, ça dépend des entraînements. Il y a plein de trucs qui peuvent être durs et qui le sont à un moment donné et pas à un autre. Quand je dois aller nager à 5h30 et qu'il fait encore nuit, c'est plus compliqué que quand il fait jour et qu'il y a déjà du soleil. Oui. Plus facile de se réveiller quand il fait jour. Oui. Ou quand il pleut et que le soir et qu'on doit aller nager et qu'il fait froid, c'est moins agréable que quand il fait beau et que le toit est ouvert. Je sais ce qu'il faut faire, donc j'y vais, je me pose pas de questions. Est-ce que ça te passe par la tête des fois quand tu vas en compétition notamment? T'aimerais bien qu'on t'annonce soudainement, quand tu étais encore dans ton lit, que le toit de la piscine s'est écroulé et que la compétition est annulée? Non, pas en compétition. Non, pas peur du stress. Non, on adore se lever pour les compétitions, Emma. Pour aller à l'école, ça m'arrive, des fois. Donc quand c'est dur, tu as plutôt tendance à te taire et à continuer, que te dire... Mais elle baisse pas la tête, elle est contente. Enfin, je pense, Anna. Bah oui, je sais que il faut que ce soit dur pour que je progresse, donc c'est pas en faisant que des entraînements souples que ça va me servir à quelque chose. C'est vrai. Après l'entraînement, même si c'est 2 heures après, même au téléphone, en fin d'après-midi. Vous avez parlé avec qui ce matin? Vous avez dit quoi? Les gens qui s'entraînent dans des pôles, qui ont l'école, la piscine, tout au même endroit, ils ont quand même la vie qui est un petit peu plus simple qu'un parisien. T'aimerais que ta vie soit comme ça? Ça serait plus simple d'avoir tout à côté. Est-ce que c'est ton projet de rentrer dans un pôle? Je sais pas encore, peut-être après mon année de terminale. Je sais pas encore. On est entouré à ce moment-là de d'autres adolescents, donc on fait notre vie d'ado, mais avec des nageurs qui vivent la même chose que nous. Après, faut effectivement accepter de ne pas avoir une vie normale, mais est-ce que c'est vraiment... Enfin, qu'est-ce que c'est d'avoir une vie normale pour un adolescent, je sais pas, mais c'est voilà, on vit notre adolescence quand même, peut-être avec plus de contraintes que d'autres, mais ça nous empêche pas d'avoir des amis et de s'amuser. C'est un rythme de vie, mais à partir du moment où ce rythme de vie-là est vécu comme des contraintes, c'est qu'à un moment donné, et c'est tout à fait louable de pas avoir envie de faire du haut niveau. C'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne veut pas le vivre. Tout le monde n'a pas envie de le vivre. Donc, à partir du moment où ça devient vraiment de la contrainte, c'est que il faut savoir s'arrêter. C'est l'importance aussi d'être bien entouré avec des gens qui nous permettent de décompresser, mais aussi qui savent ce qu'on fait, qui comprennent ce qu'on fait et qui peuvent le vivre avec nous. J'étais dans un lycée avec plusieurs sections sportives, donc j'étais dans une classe de sportifs et finalement ceux qui étaient à part, c'était les 2-3 personnes qui étaient dans notre classe qui n'étaient pas sportifs. Donc c'était eux le monde un peu à part et c'était nous la normalité. J'ai découvert qu'il y avait une blague qui se disait « je peux pas, j'ai piscine », mais moi, je savais pas que c'était une blague qui se faisait à l'extérieur. Moi, j'ai réussi à trouver mon équilibre avec aussi le monde extérieur une fois passé de lycée, une fois rentré en université, où certes, bon, j'étais en STAPS, je faisais pas toutes les soirées étudiantes du jeudi soir.
Et alors, j'ai fait une semaine de soirée aux Jeux Olympiques. Enfin, quand on dit d'un nageur, il a beaucoup de qualités, mais c'est dommage, il s'entraîne pas. Moi, je pense que être capable d'avoir cette rigueur d'entraînement, de se dire, bah, ça, je peux pas le faire parce que ça rentre pas dans mon projet, c'est pas cohérent avec mon projet. Pour moi, c'est une des qualités aussi primordiales d'un athlète de haut niveau, d'être capable de dire ça, je peux faire, ça, je peux pas faire. Là, si je peux faire, mais il va falloir que j'adapte. Et je pense que c'est une qualité tout aussi importante que des qualités aquatiques ou des qualités physiques. Si on lâche quand on est ado, on revient pas. C'est vraiment une période qui est très importante, je trouve. À cet âge-là, on nage, on sait pas vraiment, on comprend pas encore dans ces notions de projet, on n'y est pas encore vraiment. Donc c'est difficile, mais bon, je les questionne toujours sur leurs envies et je les confronte toujours à leur réalité. Est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est en adéquation avec les objectifs que tu te fixes et ce que tu m'annonces que tu as envie de faire? Je les questionne. Tu m'as dit que tu venais 5 fois par semaine pour arriver à tel objectif. Ça fait plusieurs semaines que tu viens, 3 fois, 4 fois. T'es pas là le jour des séances importantes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des problèmes à l'extérieur? On en discute. Je leur laisse toujours la possibilité de me parler et de me dire, bah, finalement, nager 5 fois, c'est plus mon projet, c'est plus ce que j'ai envie de faire. Et dans ce cas-là, bah, ils se détendent, moi je me détends avec eux. C'est important de leur donner des repères, des choses sur lesquelles ils puissent se dire, oui, quand je suis là, je suis en train de m'entraîner bien, mais si je ne suis pas en train de penser à ça, si je ne contrôle pas ces éléments de repères qu'on leur donne, bah, là, on est dans l'activité, on n'est plus dans l'entraînement. La natation, si on veut être performant, c'est pas juste 2 heures dans l'eau tous les jours. Concernant les filles, c'est vrai qu'il y a des caps importants. Les 14-15 ans, bon, elles sont plus ou moins avancées, et celles qui sont avancées, comparées aux garçons, bah, faut peut-être commencer à travailler la prise de force avant, parce que c'est à cet âge-là que ça commence à se développer et que ça devient important. Mais si on leur demande de travailler la force, bah, y a la transformation du corps qui va avec. Est-ce qu'on a accepté d'être un peu moins féminine et de prendre un peu de bras? Moi, combien j'en ai vu des filles en salle de musculation dire je pourrais pousser la barre plus lourd, mais je ne mets pas plus lourd parce que je n'ai pas envie d'avoir des gros bras. Quand on veut vraiment aller vers du haut niveau, c'est des questions sur lesquelles on ne se dépose plus parce que bah, c'est toujours qu'est-ce que je mets dans la balance pour atteindre mon projet. Est-ce que je le mets et du coup ça peut permettre d'équilibrer mon projet, d'atteindre mon projet, ou est-ce que je le mets pas mais dans ce cas-là ça se déséquilibre, mon projet je pourrais jamais l'atteindre. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Tu te poses la question des fois? Non. Dans 5 ans, t'as quel âge là? T'as 17 ans bientôt. Dans 5 ans, t'en auras entre 21 et 22. Tu te vois toujours dans le monde de la natation, à t'entraîner à bloc tous les jours? Oui. Et à côté, tu penses que tu feras quoi? Des études. T'as des idées de quelle filière tu veux engager? Je me vois plus dans le marketing et dans le commerce que dans la médecine. Donc t'aimerais faire une fac, une école, je sais pas. T'as regardé un petit peu ce qu'il y avait pour toi? Non, pas encore. Il n'y a pas un moment dans ma tête où je me dis Léana. Pour moi, ça me fait absolument rien de me dire ça. Donc ouais. Ça veut dire que tu te mets pas dans la situation où il... Extrême. Tu vas au-delà de ce que tu pensais pouvoir faire. Je sens que j'ai les muscles tétanisés, que j'ai du mal à respirer, que ça me brûle partout. Okay. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Bah, moi j'aime bien, parce qu'en général je fais des très bons temps. Et plus je fais des bons temps, plus moins j'ai mal. Tu peux pas être un bonbon mentalement comme Lacey Franklin, et à la fois être un bonbon physiquement. D'accord. Tu veux dire qu'Anna, elle est un bonbon physique et mental? Oui. Oh, c'est trop mignon ça. Mais c'est vrai, il a un peu raison. Bah déjà, pour moi, ça me paraît compliqué d'avoir son corps, vu que je pense qu'elle a 10 pointures de plus que moi. Donc, il faut plus être un bonbon mental. Il faut être une tueuse. Et je reviendrai sur... Elle m'a énormément impressionnée, cette petite Paulina. Elle avait à peu près un physique de bonbon comme toi, mais elle a, je pense, un mental de tueuse. Mais un vrai mental de tueuse. Elle s'est pas dit, la fille d'à côté qui fait 1m80, Pauline Mailleux, 1m85. Elle est mignonne, elle a pas une tête de tueuse. Elle a un corps de tueuse, peut-être, mais elle s'est pas laissée impressionner par sa taille. Elle s'est dit, celle-là, je vais la bouffer. Elle a bouffé les deux qui étaient devant elle. Donc elle a eu un mental de tueuse. Dans ce sens-là, il a raison, Nathan. Tu peux pas être un bonbon physique et un bonbon mental.
Et même, tu peux pas être un bonbon physique en sport, t'es pas un bonbon physique, mais il y a toujours un moment où tu peux t'améliorer. Dans ma tête, il n'y a que la natation. Tu te fais plaisir dans ton sport. C'est plutôt sympathique de pouvoir mener les deux de front. Enfin, sachant qu'il y a... Les études sont obligatoires. On est en train de se renseigner sur les différentes voies, filières qui peuvent exister. Au fur et à mesure que ton niveau en compétition s'est amélioré, bah, ça devient de plus en plus important de faire des entraînements. Et les entraînements, il faut les faire régulièrement, tous les jours, et donc du coup, non, mais c'est justifié d'avoir des horaires aménagés. Je m'entraîne au CNP depuis cette année, je nage depuis que j'ai 4 ans. Je suis venue en France pour pallier études et natation. Il n'y avait pas de structure adaptée en Martinique pour pallier études et natation. Pendant des championnats de France, avec mon père, on avait visité l'INSEP et je lui avais dit que ça m'avait plu. Il m'a aidé à partir avec ma mère et une sœur. Quand je suis arrivée ici, j'étais qu'au lycée. Enfin, je rentrais au lycée. J'ai fait ma seconde au lycée Georges Brassens. Pour ma première et jusqu'à ma terminale, je suis rentrée à l'INSEP et j'ai fini mon lycée là-bas. Les cours commençaient à 7h45 jusqu'à 10h35. On avait 3 heures de cours. Après, on allait nager jusqu'à 13h à peu près. Ensuite, c'était l'heure de manger. Les cours reprenaient à 14h15 jusqu'à 16h15. Et après, on avait encore entraînement de 16h30 jusqu'à 20h à peu près. Ça, le soir, c'était soit muscu ou PPG avec la natation. Quand on rentre à l'INSEP, on est plus entre potes de l'INSEP, en fait. Enfin, on est tout le temps ensemble, on est en cours ensemble, on va nager ensemble, et on est dans la chambre ensemble. Et c'est toute la semaine, toute l'année comme ça. Enfin, on se quitte pas, en fait. Tout le monde s'aide. Même dans les autres sports, on s'aide. Enfin, question court, voilà. On n'est pas enfermés sur nous. J'ai fait première STG parce que je voulais faire expert comptable. Et après le bac, j'ai commencé des études de comptabilité. Et au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas spécialement. Enfin, je ne me voyais pas travailler dans un bureau, en fait. Je suis partie de l'INSEP parce que ça ne me convenait plus. Enfin, pendant 2 ans, ces 2 dernières années, je ne faisais plus des temps pour rester à l'INSEP. Enfin, je ne trouvais plus la motivation. J'avais plus envie de nager. Je commençais à être dégoûtée. Du coup, je suis partie de l'INSEP. Parce que je me posais trop de questions, en fait. Enfin, pourquoi je faisais ces temps-là alors que je suis à l'INSEP? Du coup, je suis revenue dans mon club et pour l'instant, ça me convient assez. Bon, je m'entraîne qu'une seule fois par jour. Et ça me permet aussi d'être plus proche de ma structure de formation vu que j'avais passé le BPJEPS. Depuis septembre, je m'occupe du jardin aquatique. C'est les tout-petits, de 5 ans et demi à 7 ans. Je leur apprends à nager. Enfin, ça me plaît assez pour l'instant. Enfin, je découvre un petit peu parce que c'est la première fois que je m'occupe d'un groupe toute seule. Pour l'instant, je ne me vois pas entraîner un groupe de jeunes. Enfin, parce que déjà, on n'a pas assez de différence d'âge. Je pense que je serais trop gentille, en fait. Parce que vu que je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas, je serais trop gentille. J'ai encore des contacts avec des gens de l'INSEP, mais sinon,
c'est une page qui se tourne. Maria, c'est un exemple à part parce que elle est arrivée de la Martinique, je l'ai entraînée pendant un an, après elle a pu intégrer les pôles, et puis 7 ans plus tard, elle revient, je la réentraîne, c'est chouette, hein. Enfin, moi je m'éclate bien, c'est cool de l'avoir dans les lignes. C'est le club qui lui a proposé de l'accompagner sur un projet de réinsertion professionnelle. Donc voilà, donc on a mis un contrat d'avenir en place, on lui a fait passer le brevet fédéral 1, 2, là on est sur maintenant le BPJEP, c'est l'idée, ça va être vraiment de l'intégrer à l'équipe pédagogique. Et puis peut-être qu'après, elle partira et volera de ses propres ailes ailleurs, dans un autre club ou sur un autre projet. Mais voilà, mais ça s'est fait aussi progressivement. C'est-à-dire que quand elle était à l'INSEP, on ne l'a pas trop sollicité. C'est-à-dire sur le brevet fédéral 1 et le brevet fédéral 2, maintenant elle est revenue au club par choix. Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus de continuer à s'entraîner, ce qui fait partie un peu aussi de ses heures, je prends ça en compte, elle a aussi une partie où elle est intégrée à l'équipe pédagogique et on lui apprend le boulot, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et je trouve qu'on arrive à trouver un bon équilibre pour que finalement, quand elle décidera d'arrêter sa carrière, ben, elle aura déjà des billes pour pouvoir tout de suite travailler avec les diplômes et l'expérience, en fait. Donc, même si j'avais un athlète qui était champion olympique ou quoi, je serais pour qu'il fasse quelque chose à côté pour qu'à un moment donné, quand il est en échec sur la partie sportive, au moins il y a quelque chose sur la partie scolaire ou la partie projet de vie qui fonctionne, parce que sinon c'est compliqué quand on n'a qu'un projet et qu'il échoue. Au moins quand on est sur un double projet, on avance toujours dans l'un. Parce qu'à Paris, finalement, il n'y a que des chams. Hein. Faut mieux faire du théâtre, de la danse et de la musique que du sport, parce que ça n'intéresse pas forcément beaucoup de lycées de créer des chasses, classes à orientation sportive. Et moi, depuis que j'entraîne sur Paris, je sollicite la CHAM de Brassens, le lycée Brassens, qui est dans le 19e arrondissement, où les cours sont organisés de 8h à 13h ou de 13h à 18h. C'est toujours une négociation avec le lycée, hein, c'est-à-dire qu'il faut faire des lettres, il faut aller rencontrer le CPE, l'approviseur de lycée, pour pouvoir avoir quelques nageurs qui puissent intégrer la CHAM, parce que la CHAM, elle est réservée au Centre National de Musique de la Villette, en fait. Ils sont en accord avec eux, plus les conservatoires. Il y a toujours une discussion avec les parents, c'est-à-dire que les parents sont inquiets quand même, hein, parce que ils pensent aux études supérieures et ils pensent que passer par le lycée en horaire nagé, c'est pas forcément les meilleures conditions pour pouvoir faire des études derrière. Mais bon, aujourd'hui, moi, tous les nageurs que j'ai envoyés à Brassens, j'en ai qui ont fait Hippokainen, qui ont fait Matspé, qui ont fait médecine, qui ont fait des études de bio, qui sont en master. Enfin, voilà, donc en fait, c'est pas parce qu'on passe par Brassens qu'on n'est pas capable de faire des études supérieures. Par contre, c'est vrai que Brassens, il faut une certaine autonomie de travail de la part de l'athlète. Tous ceux que j'ai envoyés à Brassens ont eu leur bac. C'est-à-dire que je dois avoir peut-être une quinzaine d'athlètes qui ont été à Brassens depuis que j'entraîne. Ils ont tous eu leur bac. Oui. Jusqu'au lycée, je pense que c'est bien, à mon avis, de pouvoir permettre à ses enfants d'être sur un cursus où ils puissent faire les choses, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire que ça soit de la musique, du théâtre, quelque activité que ce soit, je pense que c'est important qu'on puisse permettre à des ados de faire ça, et en plus avec des horaires aménagés. Parce qu'aller au lycée de 8h à 18h, c'est vrai que quand les nageurs vont en cours de 8h à 17h, que moi à 17h je leur dis faut que tu fasses ça comme ça, comme ça, comme ça, en termes intellectuels, des fois c'est un peu compliqué, c'est dommage. Donc moi je pense que quand les choses mises en place au club et les choses mises en place sur la structure scolaire ne sont pas adaptées, le mieux effectivement c'est d'aller sur des pôles où tout va être organisé pour qu'ils puissent et aller à l'école en horaire aménagé forcément et s'entraîner correctement. J'ai fait le championnat de France minime 1, minime 2. J'ai fait une finale en minime 2, j'ai fini 5e. Et c'est là que m'est venue l'idée d'intégrer l'INSEP. Donc on en a parlé avec mes parents pour que tout soit clair, quoi. Et donc en KD1, j'ai continué à m'entraîner avec Yves au CNP. Et en KD2, j'ai postulé pour rentrer à l'INSEP, où je suis rentré. Donc quand je suis rentré à l'INSEP, j'étais en première S. Donc je suis passé première S. J'ai passé le bac français, que j'ai plus ou moins bien réussi. Mais bon, ça, c'est pas à cause de la natation que je l'ai plus ou moins bien réussi. Et puis terminale, l'année de ma terminale, où ma meilleure année au niveau nos scolaires et sportifs. Parce que c'est là que je fais que je commence à faire mes podiums chez les jeunes. Et l'année d'après, mon coach s'en va de l'INSEP. Du coup, je passe avec Jean-Lionel Rey.
l'entraîneur du Pôle France. Et c'est une année où, comme j'avais eu le bac, je m'étais inscrit en licence de biologie à l'UPMC, parce qu'il y avait un partenariat avec l'INSEP. Et donc je nage avec Jean Lio et au fur et à mesure que l'année passe, je sens de moins en moins de motivation en compétition. Ça donnait rien quoi. Je ressentais pas les résultats que j'avais à l'entraînement quoi. Et du coup j'ai arrêté la fac parce que j'allais pas en cours, c'était pas possible avec 2 heures de trajet par jour, c'était infaisable. Du coup j'arrête les études universitaires, je décide de passer le BNSSA et le permis de conduire, pour pas non plus que ce soit une année creuse. Et je commence à réfléchir à mon avenir, tout en sachant que si je faisais pas certaines performances, donc les temps promo, je pouvais pas rester à l'INSEP l'année suivante. Et donc je me renseigne par-ci par-là et à ce moment-là je me dis c'est peut-être pas la peine de continuer la natation à fond quoi. En France avec le BNSSA t'es sûr de trouver du travail, n'importe où quoi. Et ça c'est bien pour que ce soit un job d'été ou si jamais je rentre en France et que je galère un peu à trouver du travail, j'aurai ça à côté pour. Je suis sûr d'avoir un petit matelas quoi. Et puis ça fait en sorte que j'aide un peu mes parents à payer mes études. Ça les soulage quoi. Et c'est à Montréal que j'ai décidé d'aller parce que tous les gens que je connaissais qui avaient été étudiés ou travaillé là-bas, j'avais des bons retours. Je connaissais 3 nageurs. Je les ai contactés par Facebook ou les réseaux sociaux et ils m'ont dit ouais c'était cool, l'ambiance était détendue, mais la performance était quand même là. Ça fait 6 mois que j'y suis. Et c'est pile ce qu'il me faut quoi niveau. C'est là que je pense où je suis le plus épanoui. C'est une des meilleures villes étudiantes au monde. Il y a une ambiance. La ville est jeune, ça bouge beaucoup. Donc je sors, j'en profite. Mais pour autant, j'ai amélioré mes performances en petit bassin. Donc c'est peut-être que j'avais besoin de ne pas être forcément cadré, hyper cadré pour performer. Quoi. J'ai pris à Montréal, je suis en géographie environnementale. J'ai pris ça parce que j'ai pas trop d'idées de ce que je veux faire plus tard et comme c'est le milieu de l'environnement m'intéresse, tout ce qui touche à l'environnement physique, je suis passionné de ça. Et à la fois je sais qu'il y a beaucoup de débouchés, donc j'ai pris ça pour être sûr qu'il y a quelque chose qui me plaise derrière. Là c'est 3 ans, mais je peux étaler sur 4. Ça me plaît plus parce que là-bas déjà avec une licence tu peux travailler. Tu trouves un emploi facilement, même financièrement c'est avantageux. Donc. Si t'as pas ton bac à l'INSEP, quand t'es sportif, tu peux l'avoir nulle part. Quoi. C'est... les professeurs sont. On est 13 ou 15 par classe. Les professeurs savent qu'on est sportif de niveau, ils font tout pour nous faciliter la tâche. À l'épreuve du bac, on a déjà 2-20 d'avance. On a 20 dans notre sport. Et on a 20 en musculation en plus. Donc ça aide pas mal. Et puis on a des études l'année du bac. Tous les soirs on a des études. Quasiment tous les soirs de la semaine on a des études de 1 heure, 1 heure et demie pour pouvoir travailler. J'ai trouvé que ça valait pas le coup de faire tant de sacrifices. Et j'ai relativisé, je me suis dit quitte à investir dans quelque chose, autant le faire dans des études et prendre la natation plus comme une passion que comme une vocation. Quoi. Et c'est à l'INSEP que tu vois la réalité en fait. Et tu te dis oula, peut-être plus dur que ce que je pensais. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'était aussi par nécessité, parce que plus tu avances et plus le niveau est élevé, et plus il faut s'entraîner pour garder le niveau. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle t'as aussi choisi un lycée qui te permettait d'être davantage libre et de pouvoir aller t'entraîner l'après-midi. J'ai cherché un lycée pas loin avec des horaires aménagés. C'est comme ça qu'on a atterri à Diagonale. Et c'est surtout que je voulais faire une terminale, une première et une terminale ES. C'est une école privée qui accepte en fait les projets des enfants et qui se cale sur les projets des enfants. Là, à NAS, c'est des petits effectifs, effectivement, c'est des classes de 20 ou 25. 22. Surtout, ils partent du principe que le projet des enfants est intéressant. Elle aurait pu demander à aller en pôle, mais on n'avait pas très envie de se séparer d'Anna et Anna de nous. Ça, c'était peut-être un petit peu trop tôt par rapport à la maturité d'un enfant, ou d'Anna en particulier,
pour aller la laisser évoluer dans un pôle comme l'INSEP. Mais moi, je sais déjà ce que je veux faire. C'est assez flou, ton projet. Ah, du marketing sportif. Oui, donc tu t'aimes l'environnement du sport, t'aimes les événements sportifs, donc pour l'instant, tu te vois bien travailler dans ce domaine-là. Mais pour toi, c'est quoi exactement le marketing sportif ? Il y a plein de choses. Non, mais sponsoring. Genre... Ouais, le sponsoring, sponsoriser des athlètes, trouver des athlètes et les suivre dans leur projet. Et forcément, tout le temps qui est passé dans l'eau, c'est un temps qui n'est pas passé à se cultiver, à passer du temps avec les autres, à s'enrichir autrement. Enfin, moi, je pense pas que tous les ados qui font pas de sport soient le temps que l'ana passe dans l'eau en train de se cultiver. Hein. Je suis même presque sûre du contraire. On est tout à fait conscient que pour atteindre le niveau olympique, il y a encore une marge qui est très élevée et qui demanderait de s'investir beaucoup plus. Et même en s'investissant beaucoup plus. Avec un résultat très aléatoire. Non, mais on pourrait dire, bon, bah, écoute, c'est la dernière année, soit tu sors des bons résultats très très bons, soit t'arrêtes. On pourrait aussi dire ça. Papa, il dit ça en riant, mais s'il a envie de te le dire vraiment. Non, parce que je pense pas que ça soit positif d'arrêter de faire du sport. J'arrive à la badouille. Non, mais le sport, la compète, au niveau national, c'est intéressant. J'ai fait des études très longues à la place de faire du sport que j'aurais adoré faire comme fait Anna. Et c'est aussi un peu pour ça que j'encourage Anna. Non, je te dis pas qu'il faut pas faire d'études parce que je pense qu'il faut être indépendant, il faut être libre dans la vie et t'es libre si t'as un métier, si tu gagnes ta vie. Faut dépendre de personne. Mais c'est vrai, c'est important. Oui. Mais par contre, c'est bien de pouvoir pas faire que des études. Je pense pas que ce soit forcément source d'épanouissement absolu. Il y a un temps pour tout. Non, mais c'est bien de pouvoir faire les deux. Et je trouve que faire de la compétition, c'est une grande chance. Ça, c'est ça. De faire toute la démarche qui va avec. Je trouve que c'est très enrichissant et c'est une grande qualité, c'est une grande expérience. D'aller au bout de ce qu'on peut faire, de faire les compétitions, de faire les finales, de faire le mieux possible. De se prendre des baffes, de retourner à l'entraînement. Mais oui, mais je trouve que c'est génial. Sur les tests que l'on fait à l'INSEP, donc là on va avoir des mesures essentiellement physiologiques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir deux tests de performance, un 100 mètres à allure maximale, c'est le premier test qu'ils ont à faire, ils arrivent, ils ont un échauffement, le même échauffement pour tout le monde. L'évolution des performances au cours du 100 mètres, de ce 100 mètres sur les différents tests va nous permettre d'avoir un test de performance et de voir comment le nageur a progressé ou pas, de nous dire quelle énergie a produit le nageur. Anaïs ? Oui ? Notre truc ? Ah, c'est elle ? Et tu sais que moi, j'avais fait à la même chose. Oui, là, c'est pas moi. Ah, c'était bien d'ailleurs. C'était bien. Merci. Ça fait 6 jours que ça fait. Ah ouais ? Allez, c'est le dernier jour, ouais. Ouais, c'est pas un jour. Ouais, c'est pas un jour.
Hop, nickel. Je vais se mettre les électrodes là-bas. Ici. On ne jette pas ? Non. Thank you.
Bien, super. Allez, Anna. Se tourner vers une comparaison entre deux modèles. Il y en a un où on s'entraîne sur un certain volume, un volume important mais à intensité relativement basse, qu'on appelle de l'aérobie. On pourrait appeler ça un entraînement plutôt modéré. Ça correspond à peu près à 80%, 75 à 80% de l'entraînement à allure lente et à environ 15% à une intensité très élevée. Et le reste de ça est l'entraînement qu'on appelle au seuil, qui est un entraînement assez mixte. Sur la distribution de l'intensité, c'était vraiment cette distribution qui était optimale, le modèle polarisé. En revanche, ce qu'on constate en natation, c'est finalement culturellement, on a beaucoup d'entraînement au seuil. Et en natation, on a constaté en quantifiant l'entraînement des entraîneurs en France et aussi à l'étranger, qu'il y avait entre 30 et 40%, voire plus chez certains, d'entraînement au seuil. Et on avait une répartition qui était à environ 50% en aérobie allure lente, 40% au seuil et 10% en haute intensité. Ce qui est vraiment différent de l'entraînement polarisé. Et donc l'objet de mes recherches va être de voir si finalement l'entraînement polarisé en natation marche ou pas. Sachant que la différence essentielle entre la natation et ses autres sports est aussi que le mode de locomotion est différent et on est dans l'eau et pas sur terre. Le modèle traditionnel et culturel au seuil en natation permettait de nager sur de grosses amplitudes de nage, d'obtenir des gros volumes d'oxygène qui laissaient indiquer peut-être qu'au niveau physiologique on pouvait avoir des adaptations très fortes. Cela dit, le modèle polarisé a aussi ses arguments qui permet vraisemblablement de mieux répartir la charge au niveau du système nerveux autonome, d'activer de façon plus puissante le système nerveux sympathique et parasympathique. Et donc toutes ces questions-là vont être établies et recherchées. Nous avons 6 semaines de développement de l'entraînement où il y a 2 groupes. Un groupe 1 polarisé et un groupe 2 dit au seuil. Nous pourrons comparer à la fois le modèle polarisé et le modèle au seuil, mais aussi l'influence de ces deux modèles sur les deux, sur chaque individu. C'est-à-dire que chaque individu va passer dans chacun des groupes. Nous avons des questionnaires de fatigue qui permettent d'établir un état de forme, un état de fatigue, de suivre la qualité du sommeil des nageurs et justement de voir l'influence de ces deux types d'entraînement sur ces différents états de fatigue. Ces questionnaires sont faits pour voir l'incidence externe, c'est-à-dire qui va être des cours, du travail, de la vie sociale, de vie familiale, etc. Et de voir l'influence vraiment plus interne au niveau physiologique que va impacter l'entraînement sur cet état de fatigue. Il y a aussi un questionnaire journalier. On suit combien de temps ils ont dormi chaque nuit, par exemple, quelles différentes pathologies ils peuvent avoir, mal de gorge, toux, etc.
et leurs états d'humeur. Est-ce qu'ils sont motivés, est-ce qu'ils sont stressés, est-ce qu'ils ont de l'appétit. Donc c'est aussi des données que l'on va pouvoir récolter. Nous avons aussi des tests avec une montre Polar qui permet d'analyser la variabilité de la fréquence cardiaque. Il semblerait que le modèle polarisé puisse activer de façon plus puissante ces deux systèmes. L'allure lente permettrait d'activer vraiment le système parasympathique, les sensations de bien-être, etc. Et puis la haute intensité qui permettrait de stimuler le système sympathique qui est plus révélateur du stress. Alors que l'entraînement au seuil finalement n'activerait pas vraiment de manière très intéressante les deux systèmes. Elle activerait un petit peu les deux, mais finalement aucun de manière efficace. Sur le 5x200 mètres, on a aussi la fréquence cardiaque qui est captée via une ceinture et un petit émetteur en dessous du cœur. On va pouvoir estimer finalement si le nageur il est sur la bonne intensité ou pas. Et finalement, cet outil, ce test progressif, va permettre aussi d'avoir des profils sur les fréquences cardiaques pour les nageurs. Notre organisme va solliciter trois systèmes énergétiques différents. Et la seule façon de pouvoir mesurer ça actuellement que l'on connaît est de faire ce protocole, c'est-à-dire de nager un 100 mètres à allure maximale et ensuite de le reproduire sur un 25 mètres, sur un 50 mètres et sur un 75 mètres. Ce qui nous permet d'établir un profil avec la lactaténie, avec l'oxygène et de voir quelle est la contribution de chaque système énergétique au sein de ce 100 mètres. Sur les premiers résultats, sur Anna, ce qui nous a semblé vraiment assez fort finalement dans ses qualités, c'est quand je parlais de travail de seuil auparavant, c'est qu'elle justement, elle a des seuils qui sont aérobie et anaérobie, qui sont vraiment sur la courbe de droite pour les spécialistes, et ce qui signifie qu'elle est capable de nager relativement vite, très longtemps. Et ça, c'est quand même signe d'un niveau d'endurance qui est très important et du travail finalement qui a été fait depuis plusieurs années et maintenant dans son niveau de travail d'endurance. Et finalement, c'est quelque part pas une surprise qu'elle soit forte sur un 200 mètres d'eau plutôt qu'un 50 mètres d'eau. C'est-à-dire qu'elle est résistante à l'effort et qu'elle est capable de tenir ça longtemps. Je suis responsable du département recherche à la Fédération française de natation. L'une de ses principales caractéristiques est de s'intéresser à toutes les thématiques qui concernent la performance en natation. C'est-à-dire que nous ne sommes pas focalisés uniquement sur soit la biomécanique, soit la physiologie, soit la nutrition, mais nous nous intéressons absolument à tous les domaines qui peuvent permettre d'optimiser la performance des nageurs, tels que la préparation physique, l'entraînement en altitude, la nutrition, l'analyse des performances, l'analyse de l'entraînement, aux aspects médicaux également. Alors qu'est-ce que c'est que l'entraînement polarisé et l'entraînement traditionnel ? Eh bien, traditionnellement, les nageurs, depuis une vingtaine d'années, tout du moins les nageurs français, réalisaient une quantité importante d'entraînement dans une zone que l'on appelle la zone au seuil ou une zone intermédiaire. Par culture, par habitude, nous avons observé au cours des 15 à 20 dernières années que les nageurs français, nous avons étudié 120 nageurs français, réalisaient environ 40% de leur entraînement dans cette zone dite intermédiaire. Or, les recherches les plus récentes, conduites dans d'autres disciplines, notamment le ski de fond, l'athlétisme, le cyclisme, montrent qu'un entraînement dit polarisé est plus efficace et conduit à une amélioration des performances nettement plus importante. L'intérêt de cette étude, c'est d'une part de porter sur une durée longue avec un groupe de nageurs de très bon niveau. Pour cette étude, nous utilisons une nouvelle méthode qui a été prix Nobel en 2008, qui est une méthode métabolomique qui consiste à partir des urines des nageurs à analyser 4000 ou 5000 paramètres qui vont refléter l'ensemble de l'organisation biologique des nageurs. Donc en plus de cette étude de la biologie des nageurs, nous faisons une étude de la régulation du système nerveux autonome qui reflète la régulation donc centrale du cerveau et du système autonome sur l'ensemble des systèmes de l'organisme. Une analyse des contributions métaboliques au cours d'efforts maximaux, évaluée à la fois par
la consommation d'oxygène et une prise de gaz, et à la fois par une prise de lactate. Voilà, de très nombreuses idées et conséquences pour l'entraînement des nageurs de haut niveau, et je pense que ça va être un travail tout à fait novateur et remarquable.